Bienvenue dans ce cours de guitare acoustique. Donc nous allons découvrir une rythmique type bossa nova, donc avec une guitare corde nylon, hein, donc la guitare la plus utilisée dans ce style de musique. Donc on va découvrir pour l'instant les trois accords qui constituent cette rythmique. Donc vous allez avoir un La mineur 7 que vous allez interpréter de cette façon. Alors le La mineur 7, que en fait cette position là découle de celle-ci globale avec le barré. Donc là on positionne le 2 en cinquième case corde de mi grave et on va barrer les cordes ré, sol et si. Donc on jouera avec le pouce le mi grave ici et les trois cordes ré, sol, si avec l'index, le majeur et l'annulaire. Le deuxième accord, c'est un Si mineur 7 quinte bémol, ou alors que l'on nomme aussi Si semi-diminué. Donc, on va positionner le 2 en septième case corde demi-grave, le troisième doigt en septième case corde de ré, le quatrième doigt en septième case corde de sol et le premier doigt en sixième case corde de si. Alors tout comme le premier, on ne jouera pas la corde de la. Hein, on va dropper cette corde que l'on va bloquer en inclinant tout simplement le deuxième doigt. Alors on arrive aux derniers accords. Donc vous allez avoir donc un Mi 7 9 dièse, voilà, que l'on joue comme ceci, avec le 2 en 7e case corde de La, le premier en 6e case corde de Ré, le troisième en 7e case corde de Sol, et le quatrième en 8e case corde de Si. Et donc là, donc, vous allez jouer le Mi 7 9 dièse, et ensuite le Mi 7 9 bémol. Donc vous barrez votre premier doigt donc sur Ré sol si et vous retirez votre 4 et vous obtenez donc la 9e bémol. Voilà. Donc essayez de travailler les accords de cette façon là. En essayant de les enchaîner bien sûr le plus vite possible pour pas être ennuyé après dans les changements d'accords. Ensuite on va attaquer donc la rythmique main droite, donc qui va se jouer avec le pouce, index, majeur et annulaire, donc sur l'accord de La mineur 7. Donc c'est une formule qui va se répéter hormis sur les deux derniers accords, parce qu'il y a le petit changement avec la 9e dièse, 9e bémol. Mais je vous montre la rythmique sur le La mineur que vous reproduirez à l'identique sur l'accord de Si mineur 7 quinte bémol. Et bien évidemment que vous allez pouvoir utiliser sur tous les morceaux bossa que vous pourrez découvrir. Donc, vous allez travailler par séquence. Donc je vous donne la première séquence, vous la tournez. Tant que vous ne l'avez pas, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc ça nous donne. Donc ça c'est la première séquence. Je vous la rejoue. Encore une fois. Donc je rajoute une partie. Et la dernière séquence. Là, vous avez la rythmique
globale. Encore une fois plus lentement. Et si on l'enchaîne, voilà, donc sur le si mineur 7 quinte bémol, comme je vous le disais, c'est la même chose. Sauf que là, vous n'allez en jouer qu'une partie pour après enchaîner sur le mi 7 9 dièse, mi 7 9 bémol. Sauf que là, ça va nous donner. Donc ça nous donne complet. Lentement. Voilà. Donc, bien évidemment, ce sont les changements d'accords qui vont être compliqués, voilà, à mettre en place. N'hésitez pas aussi à travailler la rythmique au métronome pour être bien en place. Donc, je vous rejoue la globalité de ce petit exercice. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.